Sully. Regarde ces pierres. Ah, je crois qu'on est sur la bonne voie. Pas mal. Hé, hey, regarde ça. Oh ouais. Salut. Tiens, qu'est-ce qu'on a là? Avec un peu de chance, c'est la dernière demeure de l'équipage de Marco Polo. Vous devrez peut-être vérifier. Oh, cet endroit doit avoir des milliers d'années. Au moins. Par en bas. Waouh, on dirait qu'on a décroché le gros lot. Ah, oh, il doit y avoir des centaines de corps ici. Regarde leurs dents, elles sont complètement noires. Merde, ils sont tous comme ça. Ils ont dû venir se réfugier ici pendant le tsunami. Il doit y avoir des indices par ici. Oh, oh putain! Ah oh là là! J'ai sursauté moi. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Par ici. Quoi? Ils ont dû faire avancer leur bateau jusqu'ici après le naufrage. Corps de la résine. C'est pas la première fois. Sully, la lumière. Attends une minute. C'est du sang. Il y en a partout. On dirait un vrai massacre. Ok. Suivons les traces de sang. Voyons si elles mènent quelque part. C'est bizarre parce que moi je pensais qu'ils étaient noyés les mecs. Hein. Mais non, je pense qu'ils ont été... tués, je pense. Non, il n'y a rien ici. Je dirais qu'elle s'arrête à ce mur. Ouais, c'est bizarre. Ça bouge un peu. Sully, aide-moi. Allez, poussons encore là. Je crois que je me suis blessé. Ça va, mon pote? La piste conduit ici. Oh merde, encore des cadavres. Oh mon dieu. Tu sais, je suis peut-être dingue, mais on dirait qu'ils se sont tous entretués. Allez, Nate, tu t'es juste fait repérer. Je pense qu'il a raison. Regardez. Qu'est-ce qu'on a là? Attention. Je rigole. Gros mec, bâtard. Tu vas me faire faire une crise cardiaque. Waouh. Waouh, ce truc me file la chair de poule. C'est quoi, une sorte d'arme? Non, non, c'est un purba. Un objet rituel du Tibet. On s'en sert pour braver les obstacles. Hein? Tu vois, des obstacles spirituels. Oh. Attendez. Ça pourrait pas être de ça que Marco Polo parlait? Nate, je sais même pas de quoi tu me parles. Dans son carnet, il a écrit que le vaillant pèlerin recevra un passeport en or pour braver les obstacles sur sa route vers Shambhala. Et alors, c'est ça? Bon, c'est très intéressant, mais c'est un passeport pour où, exactement? Le Tibet? Cette carte nous aidera peut-être. Fais-moi voir. Entre l'Inde et la province du Tibet se trouve un champ de temples aux finitions exquises, avec des centaines de flèches dorées qui s'étendent à perte de vue. Attendez, je connais cet endroit, c'est au Népal. Ouais. Sauf que ce n'est plus un champ de temples, c'est une ville. Voilà qui va ajouter un peu de piment. Attendez la suite. Parmi tous ces temples, un seul dissimule le chemin secret vers Shambhala.
Et ce chemin ne sera révélé qu'aux pèlerins qui possèdent le passeport d'or. Ok, bien joué, gamin. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Fichons le corps d'ici. Ok. À plus. Après, je pense qu'honnêtement, ils devraient enterrer tous les squelettes. Après ça, c'est mon avis perso, hein, mais bon. J'aime pas trop voir des cadavres ici comme ça. J'aurais dû savoir que c'était toi. Et toi, ce vieux Victor Sullivan, tu trimbales encore ce sac à merde avec toi? Tout doux, Nate. T'as du cran pour un gars qui vient de passer 3 mois derrière les barreaux? C'est toujours mieux que de passer 3 mois à se paumer dans la jungle. J'ai trouvé les navires, non? Tu trouverais pas ton cul avec une boussole? Et une carte. Ils sont sortis de là-dessous. Wow. Et regarde ça, Harry. En parlant de cartes. Entre l'Inde et le Tibet, un temple révélera un chemin vers Shambhala. Putain, Flynn, on n'a pas le temps. Bon, allez, sois pas mauvais joueur. Amène-les à Lazarevitch. Je te jure que tu vas regretter la prison. Allez. Allez, on continue. Merde! Tu vas bien? Ouais, bah, comme ça, ce sera plus crédible. Je vais tenter de te faire gagner du temps. Non, Chloé, tu dois venir avec nous. Non. Retrouve-moi au Népal. Bon, allez-vous-en. On y va. Elle me plaît. Ouais, ça m'étonne pas. Fait chier, et ils nous ont repérés. Déjà? T'es vraiment un gros putain de poisson, mon gars. Oh non! Nate! Trop duc, qu'est-ce que tu fous? Fais chier, et ils nous ont repérés. En cours! Allez, niquez vos mères, putain. Maintenant. Le saut de la mort. Attends 2 secondes, mon pote. Tu réfléchis avant de parler? On va se briser le cou, là. Ouais, mais si on se fait choper, c'est Lazarevitch qui le brisera pour nous. Je deviens trop vieux pour ces conneries. Oh, s'il te plaît, tu vas pas recommencer avec ça. Écoute, je suis moins chanceux que toi. Les gars comme moi doivent savoir quand il est temps de partir en retraite. Sully, on va se sortir de là, ok? On s'en sort toujours. Ouais. Va retrouver ta copine au Népal. Je préfère partir au soleil. Ça va. Hé hey. Tu pourras tout me raconter quand tu rentreras. Ils sont là! Oh, merde! Bon, on y va? Après toi, vieux. On va en enfer, gamin! Yaha! Oh, merde! Fais chier. Bah,
pourquoi tu sautes pas aussi du con? Quand tu disais que Lazarevitch avait un avantage, tu rigolais pas. Il a été aidé par les guérillas locales. Ça faisait des années que la guerre civile couvait. Il lui a juste suffi de jeter un peu d'huile sur le feu. Charmant. Ouais, bref, le chaos qui règne lui permet de détruire la ville à la recherche du bon temple. Mec? Allô? Ouais, je t'écoute. T'as pas changé d'avis, j'espère. J'y vois? Jamais. Bien, parce que je suis prête à en finir avec ces clones. T'as une carte? Ouais. Je te retrouve au vieux marché. C'est assez calme là-bas. Ok, compris. Non, c'est pas de calme. Absolument pas, madame. Oh, génial, tu peux les semer? J'ai bien peur qu'il soit déjà trop tard. Bien. Je connais mieux. Merde. Oh non. Mais ils en ont pas marre. Ok. Le vieux marché. Et ça doit être par là. Trouvez-le! Putain. Allez, allez, allez! Oh, il est quelque part par là. Gardez l'œil ouvert. Tirez dans le feu! Ok. Ok. Maintenant, on doit juste trouver Chloé. Bon, je suppose que je vais pas passer par là. Ça devrait m'emmener en haut. Ah!
belle manœuvre. Cherchez partout! Oh merde. Ah merde! Merde, c'est derrière.
que je suis toujours là pour te sauver la mise. Ouais, mais c'est une belle mise à sauver. Ah. Ah. Oh, ce ne serait pas une ancienne dague rituelle tibétaine que je sens dans ta poche? Peut-être parce que je suis content de te voir. Fais gaffe! Alors c'est ça, la fameuse clé? Effectivement. Le passeport de Marco Polo pour Shambhala. Qu'est-ce qu'on en fait? J'en sais rien, à vrai dire. Tout ce que je sais, c'est que Lazarevitch n'ira pas très loin sans elle. À ta place, je le sous-estimerais pas. Flynn et lui sont en train de mettre la ville sans dessus dessous. Ils détruisent tous les temples les uns après les autres. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nate? Je déteste quand tu fais ça. Regarde ça. Est-ce que tu vois ce symbole? Ouais. Regarde là-haut. Ok, je vois la ressemblance. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on sait comment Marco Polo a trouvé le prochain indice. Le temple qu'on recherche va porter la marque de cet emblème. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est le trouver. Je sais pas si tu as intégré le fait qu'il y a des centaines de temples dans toute la ville. Oui, mais si on pouvait prendre de la hauteur pour observer... On pourra repérer notre aiguille dans le tas de foin. C'est ça. Il y a un hôtel pas très loin d'ici. Chloé, c'est pas le moment idéal. C'est de loin le plus haut bâtiment de tout le secteur. Ouais, ouais, bon, ok, c'est bien vu. Suis-moi. Ok. Pense à autre chose, hein. Attends. C'est parti. Ça va pas. C'est verrouillé. Attends-moi ici, je vais voir si je peux trouver un passage. M'emmener en haut. Allez, on grimpe. Attends, laisse-moi réfléchir. Oh putain, tombe pas, hein. Oh merde. Allez-y, hein.
encore. Hâte de parler. Chut. Oui. Nate, ouvre la porte. En recul. Bon. Je crois que tu t'en sors bien tout seul. Dommage que tu doives t'asseoir sur un truc aussi joli. On y est. Tu viens pas me dire que je fais rien pour toi. Ça va marcher ou pas? Allez, par ici. Putain, je l'ai gâché pour rien. C'est bon. C'est quand tu veux. Je peux pas me prendre les charges. C'était chevaleresque. La galanterie n'est pas morte. Suffit de monter. Ok, là c'est dangereux, ça peut tomber. Putain, mais c'est un vrai désastre, hein. Tout a été détruit. Ça va être coton. Tu crois? Ouais, on devrait peut-être aller à l'hôtel par un autre chemin. Pour éviter d'affronter tous ces gars. Excuse, mais tu vas pas te servir de cette grenade? Si, figure-toi. Je vais les contourner par là et interrompre leur petite fête. T'es sûr d'oublier personne? C'est là que t'interviens, chérie. Tu dois te charger de ce type. Mais fais-le en silence. Fais-le en silence. T'es sûr de ton coup? À situation désespérée. Mais c'est une blague! Mesure désespérée. Ok, d'accord. Surprise, motherfucker! Tu peux toujours courir! Thank you.
Oh non! Surprise, motherfucker! Attention! Quel type il a engagé? Putain, putain, on est baisé, on est baisé, on est baisé! Ok, je pense que là, on a fait le boulot. Tirer ou ça? Ça va, connard? Oh, bon. Ouais, je crois que c'était le dernier. Voilà l'hôtel. Maintenant, faut qu'on arrive à grimper. T'es parti où?